Les Septuors 2020 de l'économie et de l'innovation dans l'ode, le meilleur de l'entrepreneuriat, c'est le pari et le défi que nous avons souhaité relever et surtout conserver dans cette année si particulière. Il n'était pas question de baisser la garde. Un panel, vous le verrez, de très 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 belles entreprises que nous avons réussi à repérer grâce à l'implication de la rédaction de l'Indépendant, que je salue, grâce à nos membres du Club de l'économie de l'indépendant, mais aussi à nos fidèles partenaires que sont la région, Veolia, Prévifrance France et le groupe Scala Automobile. Une séquence particulièrement dense que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, hashtag Septuor11, mais également sur Twitter et LinkedIn Midi Events. Sans plus attendre, j'appelle à mes côtés Claire Charbonnel, c'est la directrice générale du groupe Midi Libre, pour introduire ces Septuor 2020. Bonjour Claire. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour ces Septuors dans des circonstances particulières, vous l'avez dit, cher Alain. Mais c'est tout de même un plaisir et je dois dire que ces Septuors constituent vraiment un moment essentiel. Essentiel, c'est un mot très courant aujourd'hui, mais dans le cas des Septuors et de ces trophées de l'innovation, je crois que le terme était vraiment tout à fait pertinent. Essentiel parce que c'est la vie d'un quotidien régional, c'est sa mission tous les jours que de soutenir l'économie régionale et ceux qui la font. Et puis essentiel parce que c'est en fait un grand plaisir que de partager ce moment, de se partager cette séance particulière en vision et à distance, mais séance de partage tout de même. Et c'est un plaisir qu'il ne faut pas négliger, surtout dans l'époque actuelle. Plaisir parce que c'est d'abord de la rencontre. Et vous le verrez tout au long de cette session, les rencontres sont fort belles. Les projets sont formidables, les histoires, les hommes, les femmes qui les accomplissent sont extraordinaires. Et je suis toujours frappée et vraiment j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ces trophées, à les partager aujourd'hui avec vous, à distance, mais avec beaucoup de cœur. Merci. Merci Claire Charbonnel. Je rappelle que vous êtes directrice générale du groupe Midi Libre. Première séquence de cette soirée, les catégories agroalimentaire et innovation. Catégorie agroalimentaire parrainée par le groupe Scala Automobile. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Éric Vidal, le directeur de Scala Narbonne. Bonsoir Éric. Bonjour. Bonsoir. Une année 2020 très particulière, disions-nous. Dans l'automobile, on sait ce qu'il en est, on en parle souvent, mais je vois que vous avez le sourire. J'ai le sourire. Le confinement numéro 2 passe un petit peu mieux que le confinement numéro 1. Nous avons possibilité de livrer quand même les véhicules. Donc plein d'énergie positive pour essayer de contribuer à la suite des événements. Voilà, nous attendons avec impatience la réouverture des showrooms. Les services ateliers sont ouverts. Donc voilà, positive énergie. Cette positive énergie qui va nous accompagner toute la soirée. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir les nommés de la catégorie. Dans la catégorie agroalimentaire, Scala Group vous présente les nommés. François le jardinier à Cuxac, qui fait pousser des plantes aromatiques et fleurs comestibles. Graines équitables, Alors Minervois, coopérative pour la vente de céréales. Toulousaine des farines, à Salelles d'Aude, moulin depuis 1982, fournisseur de premier plan pour les boulangers pâtissiers artisanaux. Éric Vidal, trois nommés, un lauréat. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en délivrer le nom? Oui, le lauréat de cette année 2020 est Graines équitables à l'Or au Minervois, la coopérative bio d'agriculteurs bio. Dans la catégorie agroalimentaire. Voyons maintenant quels sont les nommés dans la catégorie innovation. Dans la catégorie innovation, Scala Group vous présente les nommés. L'atelier mobile à Narbonne sauve les téléphones, iPad, iPhone. Le Champ des Sœurs à Fitou, une exploitation familiale innovante proposant des cuvées bien spéciales.
Rumerie imprévue à Narbonne, un espace entièrement dédié au rhum en discothèque. Même exercice pour cette catégorie, Eric Vidal. Donc dans la catégorie innovation, le prix, le lauréat de 2020 est l'atelier mobile. L'atelier mobile qui est basé à Nevian. Nous allons tout de suite rejoindre par cette magnifique technologie qui est la télévision, les lauréats de la soirée. J'ai appelé donc Yann Bertin et David Jalbeau. David, coucou. L'atelier mobile, on peut imaginer que vous vous déplacez, mais vous vous déplacez pour quoi faire ? Pour faire des réparations de téléphones, de tablettes, d'ailleurs. Mais tout ce qui est hardware, c'est-à-dire tout ce qui est changement de pièces et de composants. Je ne fais jamais de logiciel. Alors on peut imaginer qu'en ces temps de Covid, se déplacer à domicile, c'est un avantage. Double avantage, parce que moi je ne rentre pas chez les gens, j'ai un petit atelier, donc je me présente au plus près du travail, de l'activité, et je fais la réparation en toute sécurité, ouais. Je ne rentre pas. En tout cas, une magnifique aventure que celle que vous avez vécue et un superbe trophée qui vient sanctionner cette magnifique idée qui sert également de, on va dire, d'amener beaucoup de savoir-faire, de talent. Il y a beaucoup de technologie dans une tablette ou un iPhone. Je me tourne maintenant vers le représentant de Graines Équitables, de l'Or Minervois. Bonjour, monsieur. Vous êtes dans un décorum magnifique. Félicitations pour ce trophée. J'ai lu de vous que vous aviez dit que vous étiez né, votre entreprise, à la faveur de diverses crises. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Comme vous le voyez en paysage de fond, notre magnifique Minervois. Malheureusement, à l'époque, il y a eu une crise agricole majeure qui a fait que des centaines de milliers d'hectares se sont retrouvés en friche. Et donc, la coopérative est née des viticulteurs céréaliers qui se sont mis à exploiter ces surfaces en friche. D'accord. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y a de la crise viticole. Il y avait aussi, je crois, à l'époque, la crise sanitaire de la vache folle. Il y a aussi la crise du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, vous, quelle réponse apportez-vous à la crise Covid que nous traversons à travers votre activité ? Alors c'est un peu difficile d'amener une solution à la réponse Covid d'entrée. De par nos activités, déjà là, au premier confinement, on a eu un courrier de la préfecture nous demandant de continuer notre activité pour répondre aux besoins alimentaires. Et c'est vrai qu'on a fait tout notre possible pour répondre à toute la fracture qu'il y a eu sur les approvisionnements. Sur ce deuxième confinement, on n'a pas la même problématique, mais on espère continuer cet approvisionnement en Occitanie, une production d'Occitanie destinée à l'Occitanie, qui s'est révélée être majeure si on avait une nouvelle crise comme le premier confinement. Donc ce seront plutôt des solutions alimentaires de proximité en cas de crise. Si... Et c'est effectivement une donnée très très importante que d'être en mesure de pouvoir alimenter notre planète dans les meilleures conditions sanitaires possibles. C'est le bio. David Jalbeau, un projet à mettre en avant ? Moi, je vais continuer mon développement. Ce sera plutôt géographique. Vous recherchez des locaux ? Vous recherchez des implantations ? Non. On va toujours rester dans le concept de la mobilité. Je vais plutôt m'étendre au niveau géographique, faire sûrement les terres pour me rapprocher des gens. Parce que dans le milieu urbain, il y a quand même beaucoup de concurrents. Là, je vais pouvoir toucher d'autres zones un peu perdues et apporter tout ce que j'ai à apporter, c'est-à-dire la mobilité, faire les choses devant les gens, ça plaît ça aussi. Et puis c'est sécurisant, quoi. C'est sécurisant, en effet. Eric Vidal, la mobilité, c'est un mot qui vous parle ?
Oui, un petit peu, oui. C'est aussi mon domaine. Je pense que voilà, c'est très important ce que David réalise, puisqu'en plus, il limite du coup le blocage de l'appareil. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un produit en après-vente, on le répare sur place et on sait tous que se séparer du smartphone ou de la tablette devient problématique. Voilà, la mobilité, oui, il amène du service directement à proximité chez les gens. Je pense que le concept est vraiment réussi. Merci Eric Vidal. Je rappelle que vous êtes du groupe Scala Automobile, partenaire de ces secteurs de l'innovation et de l'économie. Bravo à l'atelier mobile de Nevian. Bravo aux graines équitables de l'Aure Minervois. Bravo messieurs. Et peut-être rendez-vous, qui sait-on jamais, à une finale à Oxinov. Enregistrement et Alain, c'est quand vous voulez. Troisième et quatrième catégorie de cette soirée, les catégories entrepreneurs et développement durable, parrainées par Veolia. Pour faire plus ample connaissance, regardez plutôt. L'eau, source de vie, est au cœur des enjeux d'écologie humaine et d'aménagement des territoires. Alors que le changement climatique commence à produire ses effets, que les exigences sanitaires s'accroissent, que des difficultés sociales persistent, que le développement économique est une priorité des territoires, les services d'eau et d'assainissement ont un rôle majeur à jouer. Dans vos territoires, pour vos activités, comment s'assurer d'une eau de la meilleure qualité, accessible à tous, disponible en toutes circonstances? À vous, collectivités ou entreprises, qui vous posez cette question, nous vous proposons d'abord d'être à votre écoute pour apporter les réponses les plus adaptées à vos besoins. Nous, c'est l'activité eau de Veolia en France. Mais être à l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Être à l'écoute, c'est d'abord vous proposer des relations réinventées qui entendent vos exigences de transparence. C'est vous proposer des contrats sur mesure, flexible, réversible. Des contrats où notre rémunération est basée sur une performance que nous définissons ensemble. Une performance optimisée grâce à nos équipes et à nos outils digitaux d'hypervision qui recueillent et analysent en temps réel les informations du terrain. Ils permettent d'anticiper les problèmes. Ils facilitent les échanges et donnent à nos clients de la visibilité sur les opérations. Ils rendent le service de l'eau plus efficace pour tous. Veolia, qui parraine ce soir les catégories entrepreneurs et développement durable. Bonsoir Frédéric Salin, vous êtes Oui, bonsoir. directeur territorial de l'Aude pour Veolia. Nous le disions à l'introduction de cette soirée, une année particulière 2020. Qu'en est-il pour Veolia? Ben pour Veolia, une année compliquée comme pour tout le monde, en fait, où voilà, on a dû assurer les services essentiels pour que l'ensemble de la population puisse toujours bénéficier des accès à l'eau et qu'on puisse également traiter les eaux usées pour les rendre compatibles avec l'environnement extérieur. Donc notre activité globalement a été maintenue partout et en France, et notamment sur le territoire de l'Aude, où nous sommes 120 collaborateurs mobilisés tous les jours pour le bon fonctionnement des installations et la fourniture d'eau et le traitement des eaux usées auprès de nos usagers. Alors vous parrainez ce soir les catégories entrepreneurs et développement durable. Nous allons de suite découvrir les nommés de la catégorie entrepreneur. Dans la catégorie entrepreneur, Veolia vous présente les nommés. Agence des Coteaux, Abrousse et Villaret. Agence de communication viticole et agroalimentaire. Maison Saint-Cressant à Narbonne. Trois lieux exceptionnels à découvrir. La cave à vin, la cave à manger et la table de Lionel. Vidoc à Carcassonne. Dénicheur de vin. Fait apprécier 650 vignerons indépendants. Trois nommés, un lauréat, Frédéric Salin, il vous revient de lever le suspense. Donc le lauréat est la table de Saint-Cressant, représentée par Lionel Giraud. La maison de Saint-Cressant de Narbonne, Lionel Giraud, qu'on aura le plaisir de retrouver. Et nous allons de suite découvrir les nommés de la catégorie
développement durable. Dans la catégorie développement durable, Veolia vous présente les nommés. L'île aux loisirs à Le Cat, un paradis ludique et éducatif. Narbo Vélo à Narbonne, valoriser la mobilité douce en remettant en selle les bicyclettes. Valoridec à Carcassonne, recycler et valoriser les déchets du BTP. Frédéric Salin, vous n'avez pas l'enveloppe, mais vous avez un nom. Donc le lauréat pour ce prix est Narbo Vélo, représenté par Laurent Anna. Narbo Vélo, Laurent Anna. Laurent Anna que l'on retrouve, bonsoir. Êtes Septuor 2020 dans la catégorie développement durable. Vous vous appelez Narbo Vélo en ce qui concerne votre structure. Quelles sont vos activités? Alors, nous avons une collectivité de... Nous récoltons des vélos au fur et à mesure de toute l'année et de certaines animations que nous mettons en place. Nous avons aussi un atelier mobile qui permet de se déplacer à droite et à gauche dans d'autres associations, suivant les partenariats et les conventions, et aussi se déplacer en atelier mobile à travers des points repères via les bénévoles pour pouvoir justement mettre en place toute une organisation pour démonter les vélos, récupérer les pièces, les valoriser pour permettre après soit de les revendre ou de carrément de les donner à des publics qui en ont vraiment besoin pour leur propre mobilité. Nous sommes un service écomobile, en quelque sorte. L'écomobilité, il en a déjà été question lors des catégories précédentes. Cette période Covid ne vous a pas trop perturbé? Mais écoutez, je pensais faire un déconfinement de la première vague tranquille. J'ai eu le malheur ou le bonheur de référencer Narbo Vélo au programme Alvéole pour le coup de pouce vélo. Et ça est devenu exponentiel. J'ai eu jusqu'à 40 appels par jour pour réparer des vélos via le programme Alvéole, qui, je le rappelle, c'est l'État qui offre 50 euros de remise en état pour que les gens puissent rouler à nouveau. C'est considéré comme un geste barrière, le vélo, en fait. Ça s'appelle aussi la solidarité. Tout à fait. Catégorie entrepreneur, Lionel Giraud, bonsoir. Bonsoir. Lionel Giraud, on ne le présente plus, mais on connaît l'excellent cuisinier qu'il est, on connaît l'excellent amateur de vin, on connaît l'homme de terroir, on connaît peut-être un peu moins l'entrepreneur qui se cache derrière tout ça. Lionel, les choses ne se font pas comme ça, il y a de l'investissement, il y a du développement, une deuxième étoile, certes, mais beaucoup d'autres choses autour. Ben c'est vrai que ça a été une année assez exceptionnelle pour nous. Bon, déjà, de par cette situation très particulière au niveau sanitaire, mais bien sûr, l'arrivée de cette deuxième étoile et puis aussi l'envie d'entreprendre et de changer un petit peu la physionomie de cette entreprise. Et au niveau timing, on s'est peut-être un peu gouré, mais bien que personne pouvait savoir et attendre ce genre de choses. Donc on est quand même assez tenace hein, dans notre métier, et c'est vrai qu'on a toujours été confronté à des difficultés permanentes. C'est ce qui fait que nous dépassons, nous surpassons pour pouvoir aller de l'avant. Et, je rappelle, 1,4 million d'investissement. C'est ça. Et puis il y a tout un autre processus qui est celui de soutenir bien sûr l'agriculture locale, bien évidemment tout ce qui est très éco-responsable autour de cette maison. Et puis, il fallait mener à bien ce projet, quoi qu'il arrive, parce que tout ce qu'on avait développer en termes, quand je parle de richesse, c'est ce que nous faisons au quotidien avec les équipes, c'est-à-dire que nous sommes des métiers de service et nous créons de la richesse à travers notre savoir-faire. Donc il fallait absolument mener ce projet à bout pour pouvoir continuer à développer notre savoir et ce qui nous tient le plus à cœur, celui de mettre en avant bien sûr le terroir local, qu'il soit à travers les vins comme à travers le savoir-faire de mes collaborateurs en salle, mais aussi le savoir-faire de mes collaborateurs en cuisine, qui est de transformer quotidiennement jour le jour sans imposer de rythme à la nature, mais c'est plutôt la nature qui nous impose un rythme de transformation et de mettre en avant tous ces beaux produits qui nous sont livrés tous les jours.
On a vu avec Laurent Hanna et les lauréats précédents qu'ils se sont adaptés. On sait ce qu'il en est du secteur de la restauration. Vous faites du emporté? Alors, on fait de l'emporté, bien sûr, qui est, là encore une fois, un système de survie, comme je l'appelle. On a bien, bon, le restaurant gastronomique qui, lui, est fermé à 100%. C'est très difficile de faire de la haute couture sur l'emporté. À part de me déplacer, moi, directement chez les gens, mais là, pour le coup, c'est plus trop dans les normes sanitaires. Donc, il fallait trouver des solutions et à travers la cave, nous avons trouvé le processus de click and collect que nous avions déjà mis en place au premier confinement, que nous continuons aujourd'hui, mais avec bien sûr une baisse d'activité qui est assez considérable, puisque de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de structures sont ouvertes. Et donc, les gens aussi, ayant leur vie normale, aller travailler, poser enfants à l'école, font quand même un gros ralentissement par rapport à cette organisation. Donc, une vie normale, nous l'avons tous. Quand nous ouvrons nos robinets, nous avons de l'eau. Frédéric Salin, ce Covid, que va-t-il apporter finalement en termes de leçons, tout simplement, quand on est directeur territorial de chez Veolia? Il ne nous entend pas, Frédéric Salin. Bon, mais écoutez, merci à tous pour d'abord... votre implication dans le territoire pour vos élans de solidarité s'agissant de cette superbe association Narbo Vélo, de cette superbe cuisine qui est celle de Lionel Giraud et de la fidélité de notre partenaire Veoliao dans l'Aude. Merci bien. Cinquième et sixième catégorie de ces Septuors 2020 dans l'Aude ce soir avec un parrain. Prévis France, je vous invite à regarder la vidéo pour mieux les connaître. Mutuel Prévis France, proche de nous, vous l'êtes, le responsable régional. Prévis France, Alexis Josneau. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, proche, je suis présent à vos côtés, non pas physiquement, mais nous adaptons. Effectivement, une année particulière, disions-nous, il y a quelques instants. Il faut s'adapter. Comment Prévis France s'est-elle adaptée à cette période si particulière? Eh bien, on s'est adapté à double titre sur un premier confinement. Avec un maintien de l'activité à distance et 100% des effectifs, on va dire terrain, qui sont passés en télétravail, donc aucune interruption de service apportée à l'assuré. Donc ça, on en est plutôt fier, puisque sur 48 heures, on a à peu près 200 personnes qui sont passées en télétravail. Donc ça, c'est plutôt à souligner. Et sur cette nouvelle vague de confinement qui est un petit peu plus souple, nous sommes considérés comme activité essentiel, on comprend pourquoi vu l'actualité, les agences restent ouvertes, donc les 40 agences du territoire sont ouvertes au public et les services de production peuvent tout à fait travailler en digitalisation à distance. Alors vous parrainez ce soir deux catégories, la première catégorie industrie dont je vous invite à découvrir les nommés. La catégorie industrie, Prévis France vous présente les nommés. Beau comme un camion, à Castelnaudary, concepteur de commerce ambulant. Centravette, à Castelnaudary, coopérative pour vétérinaires. Inessence, à Montréal d'Aude, production d'étiquettes qui habillent sur mesure. Trois beaux nommés dans la catégorie entrepreneur. Alexis Josneau, vous allez nous en donner le lauréat. Allez, on arrête le suspense, c'est la structure Beau comme un camion. Beau comme un camion, à Castelnaudary, nous verrons tout à l'heure quelle est exactement cette activité avec son représentant. Mais tout de suite, nous allons découvrir les nommés de la catégorie commerce, artisanat et territoire. Dans la catégorie commerce, artisanat et territoire, Prévis France vous présente les nommés. Alteride à Carcassonne,
boutique de vélo et organisateur de balades. Boulangerie Pfister, à Lastours et Carcassonne. Boulangerie, pâtisserie, glacier et chocolatier. Mille pastels à Narbonne. Un café poussette unique pour profiter d'un moment détente. Du pain, des vélos, du café. Alexis Josneau, le lauréat. Eh bien, ce sont nos voisins d'Alteride. Alteride à Carcassonne. Nous retrouvons Jonathan Petat. Bonsoir Jonathan. Jonathan est-il avec nous? Oui, il est là. Oui, il est là. Alors, Alteride, on comprend que c'est à hauteur que ça se passe, peut-être la montagne, et qu'il s'agit de vélo, mais bien au-delà. Bien au-delà, tout à fait. Vélo, tout ce qui touche un petit peu aux glisses. Aujourd'hui, on est un petit peu sur tout ce qui est aussi skate. Et on est distributeur France exclusif de produits qu'on importe liés à l'usage sur neige, qui s'appelle un Snowtrike, de la marque Snowtrike. Snowtrike, ouais. Voilà, exactement. Donc, on développe toute une partie un petit peu B2B autour du commerce, donc dans la région de Carcassonne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, et bien sûr, un gros axe de développement sur tout ce qui est vélo intramuros à Carcassonne, et comme vous avez pu le préciser, de la balade à vélo, de la location, et voilà, tout ce qui tourne au vélo et au plaisir. Et comment la société Alteride s'est-elle adaptée à la Covid-19? Alors, bah, comme un peu tout le monde, ça a été un petit peu dur, on va dire, au premier confinement. Nous, on a eu le droit de réouvrir et on a su, et on a eu la chance de pouvoir se réadapter assez rapidement grâce, entre autres, à l'aide de l'État, l'offre coup de pouce, des 50 euros offerts pour la révision et la réfection de son vélo. Donc, c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup aidé, beaucoup propulsé en sortie de premier confinement. Donc là, aujourd'hui, sur ce deuxième confinement, cette deuxième phase, on continue à réceptionner les gens, à réceptionner les vélos et à toujours proposer un service d'entretien et de réparation des vélos aujourd'hui au quotidien. L'adaptabilité, le maître mot de cette période que nous vivons. Nous sommes maintenant avec la société Beau comme un camion, Robin Rougeat. Alors, j'imagine que c'était une plaisanterie qu'on a dû vous faire bien souvent, mais c'est quand même une société qui part d'une idée d'étudiant et qui aujourd'hui diffuse bien au-delà de son point d'ancrage. Tout à fait, oui. Tout à fait. Aujourd'hui, Beau comme un camion, c'est, pour ceux qui du coup n'auraient pas compris, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et l'aménagement de commerces ambulants, donc notamment de camions, food truck, de camions pour les traiteurs, de remorques pour des activités de personnes qui vont faire les marchés, etc. Et du coup, donc c'est une activité qu'on exerce avec des réalisations sur mesure selon les besoins des différents clients qu'on a. Et vous êtes autorisé à vous balader aujourd'hui ? Pour aller démarcher, pour aller implanter? Ouais, alors nous, l'activité, elle a été forcément un petit peu impactée par le contexte, comme tout le monde. Mais par contre, on remarque que ben, on fournit des petits commerces qui sont ambulants par définition et qui du coup sont un petit peu moins frappés par la crise sanitaire que les commerces fixes, sédentaires, et qui, du coup, suscite un regain d'intérêt et qui, du coup, nous profite un petit peu en ces temps de crise. Voilà. Ça respire la confiance et c'est très enthousiasmant tout cela. Alexis Josneau, quand on est à Prévis France, on a aussi cette confiance, on est animé par un espoir de reprise et de véritable relance cette fois. Il faut, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, en tout cas, je suis ravi de ces activités. Je vois à la fois des activités qui sont, on va dire, transversales, qui ont débuté, on va dire, sur les bancs de l'école, qui se sont fait appuyer par les chambres consulaires. Il y a eu les interventions de pépinières d'entreprises. Donc, ça montre aussi que le territoire local et les moyens mis en place portent leurs fruits. C'est un cercle plutôt vertueux. Je salue nos voisins, en tout cas d'Alteride, puisque je passe quasiment tous les jours devant la boutique et je ne savais pas qu'ils faisaient tout ça. Donc oui, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange. Vous le savez maintenant et vous en saurez davantage en lisant l'Indépendant et notamment le supplément qui a été réalisé à l'occasion de ces Septuor 2020.
Messieurs, merci. Peut-être vous verrons aux Oxinov, à la finale Oxinov, la finale régionale qui aura lieu au mois de décembre. Nous verrons tout cela d'ici là. Bonne continuation et surtout bonne reprise. Merci. 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 Nous approchons de la fin de cette soirée, non sans vous présenter les trophées qui récompensent chacun de nos lauréats, des trophées qui, bien sûr, vont marquer le coup, marquer symboliquement ce succès et ancrer dans l'esprit des gens que l'important est surtout de participer bien au-delà de ces septuors qui mettent en avant le meilleur de l'économie audoise. Nous sommes maintenant dans deux prix spéciaux. Le premier, celui du Club de l'économie de l'Indépendant. Présentation du Club de l'éco, diaporama. Le Club de l'éco de l'Indépendant, composé de 11 membres actifs, acteurs économiques du département, favorise l'échange et le partage. Ce club est ouvert à tous les décideurs qui souhaitent échanger sur leurs compétences, tisser des liens, valoriser leur savoir-faire, promouvoir leur entreprise et débattre autour de sujets économiques régionaux en s'appuyant sur l'expertise de la rédaction et la puissance du journal L'Indépendant. Et pour nous parler de ce club de l'éco de l'Indépendant, et bien au-delà de l'économie audoise, j'ai plaisir, bonsoir Joël Rigaille, à vous accueillir. Vous êtes membre du club de l'économie de l'Indépendant, mais vous êtes aussi président du MEDEF de l'Aude. Dans une conjoncture très particulière, vous avez vous aussi comme maître mot l'adaptabilité. Oui, effectivement, une période, on va dire, compliquée, hein. Une année compliquée, mais force est de constater que quand même les entreprises ont su s'adapter à la conjoncture et s'adapter notamment pour continuer à innover, pour continuer à investir. Et notamment, comme on va le voir dans ce prix qui va être distribué, voilà, l'Aude dispose de nombreux talents. On est un département actif, on a des ressources. Et espérons que maintenant, cette période difficile dans les mois qui vont venir et surtout dans les mois venir, qui vont venir et surtout pour l'année prochaine, va être derrière nous et qu'on va pouvoir continuer à recréer de la richesse, à recréer de l'emploi pouvoir recréer des emplois et des entreprises sur le département. Et c'est dans ce sens que ce club de l'économie a été créé. Nous avons souhaité créer un espace où se retrouvent les chefs d'entreprise, bien souvent partenaires et annonceurs de notre journal, pour porter haut les couleurs, certes, de l'économie de nos territoires, mais aussi pour casser la petite musique qui pourrait laisser penser que rien ne va, rien ne marche, tout va mal. C'est pas vrai. Il y a des femmes et des hommes qui prennent des initiatives, qui osent, qui tentent et qui gagnent. Elles gagnent ce soir symboliquement. Et nous allons de suite découvrir les nommés du prix spécial du Club de l'Éco. Dans la catégorie prix spécial du Club de l'Éco, les nommés sont Contain Life à Trèbes, constructeur de maisons containers. Espuna à Lézignan, fabricant de gants de travail connectés, tabliers pour la métallurgie et autres vêtements de protection. Granota à Coursa, des vinaigres exceptionnels. Trois superbes nommés, il faut un lauréat, Joël Rigaille, quel est-il ? Mais le lauréat est Content Life. Content Life, une société qui est aujourd'hui représentée par Jean-Baptiste Jarretou. Bonsoir Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Content Life, alors on va le traduire, c'est une société qui recycle des containers. Ah, c'est ça, on redonne vie à des contenants maritimes pour créer des habitations, des bureaux, toutes sortes de constructions à partir de containers. D'où est venue cette idée ? Cette idée m'est venue en Nouvelle-Zélande lors d'un voyage de césure et j'ai voulu appliquer ce concept tout en respectant les réglementations de la construction.
et en appliquant toutes les normes France Bâtiment sur ce nouveau procédé. Alors, comme vos confrères, on peut bien imaginer qu'en cette période de Covid, vous aussi, vous avez pris des mesures particulières? Alors bien sûr, on a pris des mesures particulières pour la production et également pour le commercial, où on met en place des visioconférences pour avancer sur les projets tout en respectant bien sûr toute la réglementation sanitaire. Combien de mètres carrés un conteneur et que peut-on en faire? Alors les conteneurs, bon, il y a deux tailles de conteneurs. Donc il y en a certains qui font 14 mètres carrés, d'autres 28, c'est-à-dire les 20 pieds et les 40 pieds. Ça va en mettre autant qu'on veut. Donc, on a déjà fait une construction de 200 mètres carrés. Et après, on peut faire des petits studios de jardin de 14 mètres carrés. Merci Joël Rigaille, ça vous tente? Ah ben oui, j'avoue que c'est séduisant, d'autant plus que j'ai vu pour la première fois une de leurs réalisations dans une association du département, hein, une association d'aide aux familles. J'ai assisté à l'inauguration et j'ai trouvé le concept assez étonnant. Hein, c'est une belle start-up, surtout dans cette période de transition écologique, de recyclage, voilà, donc c'est vraiment une très belle idée. Bon, évidemment, je pense que ça n'a pas dû être facile pour s'adapter aux normes de construction, aux normes françaises, mais j'ai été séduit par cette idée. Une très belle idée, un très beau concept, un très beau lauréat et un beau trophée. Nous enchaînons avec le prix spécial de la région Occitanie internationale. Un prix qui a le mérite de mettre en avant lui aussi du talent. Mais avant de découvrir les noms de la catégorie, on va découvrir le talent de cette région Occitanie. Vous êtes entrepreneur en Occitanie? Vous souhaitez booster votre activité ou encore créer ou reprendre une entreprise en Occitanie? Rejoignez Hub Entreprendre Occitanie, la plateforme de services en ligne de la région conçue spécialement pour simplifier vos démarches et vous aider à faire de votre projet une réussite. Il vous suffit de créer votre compte sur le Hub Entreprendre et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un référent qualifié. Suivez ensuite en quelques clics vos demandes de financement sur un espace dédié et sécurisé. hubentreprendre.larégion.fr. La région des solutions pour en parler avec nous ce soir, Sophie Courrière-Calmont, elle est conseillère régionale, bien évidemment, membre de la commission de la transition écologique et énergétique, ce n'est pas tout. Biodiversité, économie circulaire, déchets et surtout membre de la commission, je sais que ça lui tient à cœur, égalité. Femme, homme, bonsoir Sophie Correa-Calmont. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Depuis Voilà, ce je suis soir, que de belles aussi. entreprises. Oui. Ah oui, non, je suis ravie. J'ai participé aux présélections et beaucoup de rencontres, beaucoup de. Et puis c'est le travail, c'est l'aboutissement concret de ce qu'on fait. Vous savez que nous, comme la région n'a pas été épargnée hein, par la crise du coronavirus, on. Dès avril-mai, on avait voté des plans d'urgence et des plans en juillet, un plan de protection de l'emploi. Et là, notre dernière assemblée plénière, on vient encore de rajouter 52 millions d'euros pour aller plus loin dans l'aide aux entreprises Aller plus et loin, de c'est voir. cultiver l'espoir, cultiver l'optimisme, cultiver la confiance qui a été évoquée ce soir. C'est ça, cultiver la confiance et puis faire avec les nouvelles contraintes. On aide les entreprises pour se protéger du virus. On aide les entreprises aussi pour accélérer leur informatisation. Enfin, on est en plein cœur du sujet. Au cœur du sujet, en effet, et au cœur du sujet, les nommés de cette catégorie que je vous invite à découvrir. Dans la catégorie internationale, prix spécial de la région Occitanie, les nommés sont Booster Acute Games à Carcassonne, éditeur de jeux vidéo. Domaine Auriol à Lézignan-Corbières, l'innovation vigneronne permanente. Coup de cœur spécial de la région, Sophie Courrière-Calmont, le lauréat.
Accrington. Le lauréat, Sophie Carrière-Calmont, nous a dit qu'il s'agit de Booster Acute Games, une entreprise représentée ce soir par Arnaud Moreau. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. C'est bien cela que qu'il en est. On dit bien Booster Acute Games. C'est Acute Games, c'est le nom commercial Booster. Booster, très bien. Et vous boostez quoi ? Ben, en fait, on développe principalement un jeu vidéo qui s'appelle Urban Rivals, qui est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, disponible en ligne sur Internet et sur mobile depuis une petite quinzaine d'années quand même. J'ai lu quelque part que vous recensiez 350 000 joueurs, très certainement en ligne. C'est ça. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie, de ces catégories d'activités qui, confinement, oblige ou aidant, ont rencontré une croissance de leur activité, s'agissant des jeux ? Oui, voilà, nous, on fait partie des quelques secteurs, effectivement, qui ont connu une belle croissance avec, cette crise, bon, qui, effectivement, a touché en mal beaucoup de monde et d'entreprises. Mais c'est vrai que le jeu vidéo et globalement le secteur du divertissement on a quand même profité quoi. On peut l'imaginer. Une belle entreprise, un beau lauréat, Sophie Carrière-Calmont, à l'image de ce qu'impulse la région, la modernité, l'innovation. On parle d'une dimension internationale, c'est pousser les frontières de la région également. Oui, c'est ça. Et c'est incroyable. Enfin, je suis très fière qu'à Carcassonne, qui est ma ville natale, il puisse y avoir des développeurs. Ça augure bon de la région. Les gens n'ont plus envie d'habiter forcément dans les grandes capitales. Et les petites villes ont aussi leur chance de développement. Et la région y contribue. La région y contribue. Ce soir, nous mettons en lumière le talent audois, le talent des entreprises audoises. Et merci, madame, merci, messieurs les lauréats et les partenaires. Avant de se quitter, je vous invite à une petite séquence souvenir. L'année dernière, à la finale départementale, l'entreprise de Christophe Barbier, La Belle Aude, vous vous souvenez, hein, cette entreprise reprise par ses salariés en contrat coopérative pour une production de glace artisanale. La Belle Aude avait été lauréat de Septuor 2019 dans l'Aude, mais surtout finaliste et lauréat en finale Oxinov, finale qui aura lieu cette année le 14 décembre. Regardez un peu. Parti. Bonjour, je suis Barbier Christophe, je suis le président de la SCOP, la Fabrique du Sud, qui fabrique des glaces artisanales, La Belle Aude. Nous avons reçu l'année dernière notre prix Septuor, qui a été remis par le club économique lié à l'indépendant. Donc, c'est une reconnaissance au niveau départemental qui nous a permis, justement, grâce à ça, d'avoir le prix Oxino, qui est aussi pour nous une reconnaissance au niveau de la région, au niveau de l'agroalimentaire. Sur l'année 2020-2021, malgré les situations sanitaires liées au Covid, les consommateurs sont restés fidèles et il nous a permis de garder notre dynamique au niveau de notre croissance. Pour la fin d'année, je vous propose notre nouvelle gamme, la gamme des bûches de Noël, qui représente 6 références, dont notamment l'excellente bûche Marcaron Rose fraises et hibiscus qui seront disponibles dans les rayons en fin d'année. Voilà une belle reconnaissance, une liaison toute faite pour féliciter et remercier, féliciter les nommés, féliciter les lauréats, remercier tous nos partenaires, la région Occitanie avec son agence de développement ad hoc, le Club de l'Éco bien sûr, le groupe Scala Automobile à Narbonne, Veolia, Prévifrance, France, la BPI, sans oublier le dynamisme des équipes de l'agence By Media et Media Events qui ont contribué à l'élaboration de cette soirée. Rendez-vous à la finale Oxinov le 14 décembre. Bonsoir à toutes et tous. Merci.